Salut tout le monde, deuxième épisode aujourd'hui de notre émission 100% Étiastrophie. Le Challenger de Mons est à présent lancé avec déjà ce lundi du spectacle, de l'ambiance et des émotions. Mais place tout de suite au programme de l'émission. C'est le favori numéro 1 du tournoi. David Goffin entrera en lice ce mardi soir et il nous parle de ce nouveau statut pour lui. On vous propose également une visite guidée des coulisses du tournoi. Notre caméra s'est rendue là où l'accès est généralement interdit au public dans le Loto Mons Expo. Et enfin, sur les cours, le match du jour hier était un match de double avec une paire 100% belge. Steve Darcy et Olivier Rocus ont assuré le spectacle devant un public déjà nombreux et surtout déjà conquis. Mais on débute cette émission avec notre rencontre du jour, David Goffin, tête de série numéro 1 du tournoi. Le Liégeois a grandi à Mons, il est donc de retour ici, avec un statut d'hyper favori qu'il assume pleinement. Passé, présent et avenir sont au menu de cette interview. David, on te retrouve ici à l'Étiastrophie à Mons, un tournoi auquel tu as l'habitude de participer, sauf qu'avant tu devais être invité parce que tu n'étais pas assez bien classé. À présent, tu dois être invité avec une wildcard parce que tu es trop bien classé. Le statut a un peu changé. Oui, c'est vrai, le statut a changé, mais voilà, ça me fait toujours plaisir de revenir ici pour jouer à Mons. Parce que c'est le seul tournoi en Belgique où on peut jouer devant la famille et pas trop loin de la maison. Donc c'est sûr, ça fait plaisir de revenir ici. Comment tu le ressens, ce changement de statut au quotidien ? Oh bah, sûr qu'on me reconnaît un peu plus dans la rue, mais sinon voilà, il n'y a pas trop de changements. Moi je fais ma carrière, j'essaie de me donner à fond et voilà, c'est vrai que mon classement a beaucoup changé, mais sinon il n'y a pas trop de changements. Venir à Mons, à ce tournoi, c'était plus un choix du cœur parce qu'il y a d'autres tournois qui auraient permis de rapporter plus de points. Oui, bien sûr, là, c'est uniquement un choix du cœur, ça c'est sûr. Et ça me fait vraiment plaisir, comme je l'ai dit, de revenir ici. Mais c'est plus le fait de jouer devant la famille, de jouer devant le public belge, plutôt que voilà que vraiment de gagner des points à ATP et d'essayer de monter au classement. Alors Mons, pour toi, c'est évidemment le centre AFT où tu as progressé, c'est évidemment l'école. Il y a d'autres endroits dans la ville que tu as côtoyé, qui t'ont marqué? Oui, comme vous l'avez dit, c'était le centre AFT où j'ai passé toutes mes études là-bas et les entraînements. Donc c'est sûr que j'ai passé pas mal de temps ici à Mons. Et ouais, même en ville, voilà, j'ai passé pas mal de temps. Donc c'est une ville que je connais pas mal. Et ça me fait plaisir de revenir de temps en temps ici. Comment tu la vois, cette ville? Comment tu la perçois? Qu'est-ce qui te marque? C'est une ville avec pas mal de petites ruelles. J'aimais bien aller sur la Grand Place aussi. Donc c'est vraiment sympa. Il y a le Doudou, évidemment. C'est pas ça, Mons. Donc c'est une ville qui bouge et ça, c'est bien. Alors le joueur a changé, il a évolué. Est-ce que le garçon a aussi changé avec ce changement de statut? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup plus d'expérience maintenant sur le circuit. L'année 2013 avec ma blessure au poignet m'a certainement renforcé mentalement. Et voilà, ça plus l'expérience fait que je suis certainement plus mûr maintenant et j'arrive à mieux gérer sur le terrain. Ce qui t'est arrivé cet été avec des victoires, on l'a vu à Metz avec victoire face à Tsonga, comment tu as vécu ça avec beaucoup de sérénité? Tu es resté calme? Oui, il y avait beaucoup de sérénité. J'essayais vraiment de rester calme et de me donner à fond, de mettre mon jeu en place et d'essayer de ne pas penser à la victoire trop tôt. Donc j'étais vraiment bien dans mon match, bien dans mon jeu, et puis voilà, on voit ce qui se passe à la fin. Tête de série numéro 1 ici à Mons, tu es le grand favori, comment tu vis ce statut? Bien sûr, c'est un peu de pression vu que tout le monde s'attend à ce que je gagne le tournoi, mais voilà, ce sera très dur. Il y a des très bons joueurs, mais en tout cas, on va essayer de faire le maximum et match après match, on va essayer d'aller au bout. Un tournoi au cours duquel Olivier Rocus va mettre un terme à sa carrière. Il y a des éléments chez lui que tu veux reprendre dans ton jeu, dans ta manière d'être? Bien sûr, c'est son comportement sur le terrain, sa combativité, son état d'esprit était vraiment quelque chose qui lui a permis d'aller très haut et de faire la carrière qu'il a fait. Donc
ça, si je peux reprendre ça, ça pourra bien m'aider. Il a gagné la première édition de l'Etias Trophy. Si tu pouvais gagner la 10e, ce serait une belle histoire. Ah, ce serait vraiment super, mais il y a d'autres prétendants aussi. Je pense qu'ils veulent la gagner cette année, mais on va tout faire pour. Et c'est vrai que ce sera une année spéciale. En plus, c'est la 10e et puis celle où il y arrête, donc pourquoi pas. Allez, on vous emmène à présent pour un petit tour dans les coulisses de l'Etias Trophy. Comme promis, un tournoi réputé, très apprécié par les joueurs. Alors, quels sont les secrets maison? Comment les organisateurs s'y prennent-ils pour chouchouter les joueurs? Nous avons mené l'enquête. Salut Gaëtan, ce serait possible de visiter les coulisses de l'Etias Trophy? Tout à fait, on va faire un petit tour, on va aller du côté des joueurs et je vais te montrer un peu l'arrière-coulisse du tournoi. Okay, on vous suit, merci. Alors on est déjà ici dans un endroit où normalement le grand public n'a pas accès. Voilà, effectivement ici c'est l'entrée des joueurs, donc nous avons tout le service des shuttles qui vont chercher tous les joueurs depuis les aéroports, qui les conduisent vers les différents centres d'entraînement et vers les hôtels. Et donc là c'est le premier accès, un accès vraiment là plus sécurisé puisque c'est la partie vraiment uniquement pour les joueurs. Alors vous avez le premier point d'intérêt qui est le bureau de l'organisation et je vais peut-être vous expliquer un tout petit peu comment il marche et qu'est-ce qu'on y fait exactement. Ok, on va aller voir. Donc c'est vraiment ici que les joueurs sont accueillis, c'est bien ça? Alors effectivement, là vous avez l'occasion de voir plusieurs joueurs qui ont en fait en direct plusieurs personnes qui vont s'occuper d'eux. Plus particulièrement pour tout ce qui est réservation des transports, réservation des hôtels. Donc vous avez deux personnes dont Laurence Courtois, une ancienne joueuse du top 30, qui les accueille et qui peut les chouchouter. Voilà, donc là on vient d'arriver dans un endroit où même nous, normalement sans vous, on n'aurait pas accès. Voilà, tout à fait. En fait cette partie ici est vraiment celle qui est réservée aux joueurs. Vous avez leur première étape qui est le physio ou le kiné qui est présent, qui peut évidemment s'occuper de tout ce qui est massage, tout ce qui est blessure, etc. Avec le service médical, c'est un staff de 5-6 personnes. Et puis alors vous avez les différents vestiaires des joueurs, donc vous avez un vestiaire par joueur, évidemment par match, avec douche, petit confort, etc. Et puis vous avez tout au bout, vous avez le contrôle antidopage, donc une salle qui est réservée pour un éventuel contrôle antidopage. La partie suivante, c'est la partie où les joueurs font en fait se détendre et se restaurer. Et allons voir un petit tour. On voit que c'est assez animé. Voilà, c'est un lieu assez animé. Donc, par exemple, c'est un endroit où évidemment on interdit à la presse de pouvoir se promener puisque c'est le lieu de concentration pour le joueur. Alors vous me direz, concentration, c'est pas vrai. Là, ils sont en train de s'amuser. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent se détendre au maximum avant de monter sur les matchs. Donc là, vous avez par exemple Steve qui était dans la salle et qui était en train tout simplement de se détendre, de regarder la TV, de faire un kicker. Mais il faut savoir que dans une demi-heure, il monte sur le court central. Et donc, c'est pour ça qu'ici, ne vient exclusivement que les joueurs et quelques personnes réservées du staff, mais pas l'ensemble des personnels. C'est important pour un joueur de tennis en dehors des cours de pouvoir décompresser comme ça dans ces moments-là? Je pense que pour un joueur de tennis, c'est primordial. S'il est stressé toute la journée en pensant à son match, je pense que quand il arrive sur le terrain, il n'est pas en état de pouvoir faire de très bons résultats. Là, on avait vraiment vu tous les endroits où les joueurs ont accès, tous les coulisses de l'Etias Trophy. Pas encore, puisque ça fait 10 ans aussi qu'on s'amusait à amener nos joueurs vers les salles de fitness. Et donc cette année-ci, nous avons créé la petite salle de fitness que je vais vous montrer, qui est juste à côté. Donc ça, c'est une petite salle qu'on a voulu complémentaire parce que le confort de nos joueurs, c'est super important pour nous. Et donc ici, on a ramené 2-3 engins pour qu'ils puissent véritablement s'échauffer tout au long de la semaine et ne pas sortir de nouveau de Mons Expo pour rester bien concentrés dans leur compétition. Si on a vu tous les endroits réservés aux joueurs, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous plus tard dans la semaine pour voir les endroits des cuisines par exemple, avec tous les bénévoles qui travaillent sur le tournoi? Voilà, tout à fait, je pense qu'il y a tous les autres bénévoles qu'on ne voit pas, que ce soit les chauffeurs, que ce soit le catering crew, que ce soit après les ball boys, les juges de ligne, tout ça c'est véritablement à peu près 250, 300 personnes qui travaillent sur le tournoi, dans les coulisses comme on dit. Ok, donc on donne rendez-vous plus tard dans notre émission pour découvrir tout ça, merci. Voilà, super, à bientôt, ciao. «
Retour sur les cours à présent. Le cours central a vibré hier soir. Les spectateurs étaient nombreux pour assister au premier tour du double. Et pour cause, sur le terrain, on retrouvait une paire belge avec Steve Darcy et Olivier Rocus. Vous le savez, Oli mettra un terme à sa carrière cette semaine à l'ETS Trophy. Il a donc savouré ce moment en compagnie de son ami Steve Darcy. L'heure est à la concentration derrière le cours central. Dans quelques minutes, Olivier Rocus disputera peut-être le dernier double de sa carrière. Un moment qu'il a choisi de partager avec son ami Steve Darcy. Ouais, super, bah, c'est mon dernier tournoi, donc si je profite pas, ce serait malheureux. En plus, jouer avec Steve pour mon dernier tournoi, bah, c'est génial, quoi. Il fallait que je joue avec Steve. Bah, c'est sûr, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Comme il a dit, c'est son dernier, donc on voulait absolument jouer ensemble, prendre un maximum de plaisir, comme on le fait toujours ici. Et puis, c'est vrai qu'on a envie d'aller loin, parce que de un, c'est à Mons, il y a beaucoup de monde qui vient nous voir. Et puis encore une fois, voilà, c'est la dernière d'Oli, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible devant un public une nouvelle fois qui a leur cause face à la paire allemande, Kamke Marx. La mission était loin d'être simple, mais les Belges rentrent bien dans le match et remportent le premier set 6-4 après seulement 34 minutes de jeu. Beaucoup de détermination, Steve et Olivier veulent profiter et se font plaisir. Menés 3-5, la réaction des Belges est impressionnante à l'image de ce jeu. À l'arraché, 6-5 puis 7-5. Steve Darcy et Olivier Rocus sont au deuxième tour du double. Gagner comme ça, je pense que c'était vraiment un très beau match, vraiment de très très haut niveau. Et je pense que si on n'avait pas joué aussi bien, on aurait perdu et beaucoup de beaux points. Ça s'est fait sur une ou deux balles et on a pris, je pense, beaucoup de plaisir. Je pense que le public a apprécié. Et voilà, gagner un tour, ça veut dire qu'il y a encore un autre match pour moi, donc c'est chouette. Et qualification pour le deuxième tour de ce double de Steve Darcy, Olivier Rocus. Le double, c'est souvent assez spectaculaire et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait vraiment des chouettes points. Vraiment eu pas mal de spectacles. Il y avait quand même du monde pour un lundi soir, donc c'était vraiment très gai. Et maintenant, il va falloir faire le boulot demain pour lui mercredi en simple et en espérant encore bien jouer en double jeudi ou mercredi en fonction du tirage. Vous l'avez dit, le mot d'ordre, c'est profiter à fond de ces derniers instants. Comment on profite même en dehors des matchs de ce genre de tournoi? On va au golf. Non, mais voilà, moi je suis arrivé aujourd'hui. Les autres jours, je dormais à la maison. Et puis là, voilà, demain, il y a pas mal de presse pour moi, pas mal de petites choses à faire. Mais voilà, c'est gay, c'est vraiment mon plaisir. Donc demain, je vais chauffer Steve, taper une petite heure. Et puis regarder un peu le match de Steve, regarder Julien, la presse, tout ça. Donc voilà, je profite, ouais. Et voilà, l'aventure qui continue donc pour Rocus. On jette d'ailleurs un œil sur les principaux résultats de la journée d'hier, même si on jouait encore beaucoup de matchs de qualification ce lundi. Mais aujourd'hui, beaucoup de Belges seront sur les cours avec le premier tour. Dès 14h, Ruben Bemmelmans affrontera le Roumain Ungur. Kimmer Kopejans rencontrera le Suisse Marty. Et puis, le match du jour verra bien sûr l'entrée en lice du favori, on vous le disait, David Goffin, face au Néerlandais Uta Galung, tombeur de Gigounon en qualification. Enfin, pour clôturer cette belle journée, Steve Darcy défiera son tour l'Israélien Serra. Voilà, c'est déjà tout pour votre émission 100% ETS Trophy. Continuez à nous suivre aussi sur notre site internet tdmb.be. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur place pour une volée de plaisir. À demain.